Moi j'étais gamin, j'avais 15 ans à l'époque, ça a été vraiment un grand moment. Ouais. On regardait les championnats d'athlétisme avec ma famille et notamment mes cousins. Parce que derrière on partait en vacances ensemble et sur la plage on organisait les championnats du monde d'athlétisme. Et puis donc c'était celui qui irait le plus loin. Quand je l'ai regardé, ça m'a impressionné quoi. Parce que quand on dit 18-32 déjà c'est énorme. Quand on regarde la facilité avec laquelle il a fait. Qu'il a fait 18-16 juste avant, c'est fabuleux quoi. Je crois qu'on se prend un peu la tête dans les mains et on se demande si on n'est pas en train de rêver ouais, à ce moment-là. Il est pas monstrueux physiquement quoi, mais par contre après au niveau des qualités physiques en elles-mêmes, là ça met tout le monde d'accord quoi. Il avait vraiment une manière très très altière de sauter et puis il portait bien son surnom quoi. Le goéland c'est l'envol du goéland avec un atterrissage un peu plus orthodoxe qu'un goéland notamment. Je pense qu'il devait avoir des impressions presque de voler à quelques moments. Ce regard qu'il a, il se retourne direct vers le public après avoir sauté et il sait très bien qu'il vient de faire un saut énorme. Ça fout des frissons. On a tous envie à un moment donné de voler, de sauter loin ou haut. Et ça c'est quelque chose qui peut être vraiment encourageant pour autant pour les novices que pour même les plus expérimentés de toujours rechercher le petit plus dans cette légèreté d'exécution quoi.